Good fucking morning, ladies and gentlemen. Je suis en train de prendre mon petit café. Comme vous avez vu à la titre de la vidéo, ben oui, je viens de me lever en ce moment, c'est pour ça que j'ai l'air d'un... Les frérots, aujourd'hui, vidéo assez spéciale, mesdames et messieurs. Je vais faire mon premier combat de boxe. Ça va être de la bombe. J'ai peur qu'il y ait trop de vent, on va rentrer à l'intérieur, les gars. Pour ceux qui connaissent un petit peu les termes de la boxe, c'est mon premier combat amateur. Je m'en vais faire ça dans un gala à Québec. Guys, ça va faire à peu près un an que je fais de la boxe. J'en ai fait beaucoup on and off. J'ai fait un camp d'entraînement d'un mois, il y a deux mois de ça, pour me préparer pour un combat contre un streamer qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, je vais me combattre, mais pas aujourd'hui, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, parce que moi je filme ça, on est 48 heures avant en ce moment. Dans 48 heures, ben vous dans la vidéo, je vais me fighter contre un gars que je connais pas. On est tous les deux les débutants qui vont faire notre premier combat, fait que c'est une réelle expérience. Je paye 180 livres, je sais pas à qui j'ai affaire, j'ai peut-être bien affaire à un dude de 180 livres qui est 6 pieds, mais il a les mêmes statistiques que moi, fait qu'il is what it is. Je suis excité. Je suis stressé, puis s'il y a des boxeurs qui regardent la vidéo, qui vont pouvoir me commenter eux autres, comment ils ont ressenti ça, leur premier combat, je vais être honnête avec vous autres, ça va faire deux semaines que je sais que je me fight, puis je pense qu'à ça, c'est un facteur de stress dans ma vie, big. C'est un gros moment, man, je respecte infiniment, sincèrement, je respecte les gens qui font des combats, des arts martiaux, man, puis qui vont devant un stage, devant des gens, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir une foule and shit, ça va être un spectacle. Faire partie de ça, puis en plus avoir le stress de gagner ou de perdre, ou de se faire knock-out ou whatever, c'est un mélange d'émotions, man, terrible, gros. Mais j'étais excité, genre de uppercut this motherfucker. Je veux pas trop talk shit avant, je sais pas ce qui arrive après, moi. Vous savez, si vous regardez la vidéo en ce moment, ben, vous savez, mais vous allez savoir rapidement. Moi, je suis 48 heures live. Si je dis que j'y pète la gueule, dans 48 heures, je me fais viander, c'est pas drôle. Je vais vous amener avec moi dans ce que je fais 48 heures avant l'événement. Là, en ce moment, je vais me préparer. On va aller à la boxe, les amis. On va aller... Je vais vous filmer sûrement du sparring à soir pour se préparer. Je vais vous expliquer. C'est moi du futur, Lewis du futur, qui vous dit que j'ai juste pu filmer ce qui arrive à l'écran live. Ce que vous avez vu de voir, c'est ce que j'ai filmé de mon entraînement. Nice! Et puis, je vous amène avec moi. Allons se combattre. Ah là, là, il y a un jackstrap, là. Bon, commence à se mettre dedans. Ouais. J'ai oublié que j'étais un boxeur, man. Ouais, mais là, faut pas que t'oublies. Je pensais que j'étais un streamer Twitch, moi, big. Fuck! Gros, ta carrière. Je pensais que j'étais un streamer Twitch. Sortez-moi pas de ma zone, man. Sortez-moi pas de ma zone. J'essaye en esti de pas sortir de ma zone. Non, c'est clair. Tout le temps sorti de ma zone, tabarnak. C'est comme être dedans, Chris. Bientôt l'heure, je vais juste exprimer ma gratitude envers tout ce qu'on accomplit ensemble. On vit des gros moments forts. Je pense que ça va être un de nos plus grands moments forts qu'on va avoir vécu dans notre life. Mais dans ma life, mais. Premier combat de boxe, amateur, motherfucker. Lock the fuck in. Chat, I love you all. When I got the fuck in. Ça se passe bien, un gros coup a été porté, ça va gagner.
les jobs sont démarrés. Bouge!
C'est pas un bon visuel au niveau des coachs. Ben, au niveau des juges, il n'y a pas tant de discours de pénalité, c'est surtout au niveau visuel. Les arbitres, ça n'aime pas ça. Let's go! J'allais dans le coup aussi. Il me jabait, j'allais dans le jab. Fait que là, ça faisait impact, bang! Oh, mais si, comment? Tu l'as senti genre dans le nez, c'est ça? Non, non, dans le nez, mais en partout, man. Ah! What the fuck, ma tête? What the fuck? Damn! Non! What the fuck? Je me suis fait tabasser? What the fuck? Et si, ouais. Grosse expérience de fucker, je vais être bien honnête avec vous autres. J'ai perdu mon premier combat. Mais je suis tellement fier, Big, je m'en tabarnak, là. Je m'en fous, Big, j'avais tellement... C'est bien que c'est de ma faute, tu sais, de m'avoir mis autant de pression, mais j'avais tellement de pression sur moi, même. Je pouvais même pas me concentrer sur ma propre performance. On s'en fout, j'ai pas d'excuses. Je suis content, man. Je me suis fessé pour de vrai, man. Contre un gars qui voulait me péter la gueule. Mais je vais revenir plus fort, man. Je veux dire, je vais m'entraîner. Le gars, il était plus préparé que moi, tu comprends? Le ferro, là, au bord, il s'en allait. Mais c'était bien, parce qu'il a réussi à me placer des jabs en s'en allant. Il a bien joué, man. Mais moi, j'ai pas vu ma performance. C'était-tu quand même pas si pire? Ben, on débriefera tantôt en descendant, mec. Sérieusement? Au niveau du contrôle du ring. Contrôle du ring A1, je sais. Hey, mes fautes d'épaule, by the way, c'était incorrect. J'y ai pas donné un coup d'épaule. J'allais me placer tu pour. Tu le poussais, ouais. Ah, ben là. Non, non, mais genre, tu voulais le tasser un peu pour que Chris arrête de me coller. Ouais, exact. C'était tabarnak, là, man. On s'en allait, les yeux, on voulait se tuer tous les deux. C'était parfait. Ah, mais il disait, tabarnak, man. Voyons. Non, mais genre, j'ai donné des coups. Hey, B, ils ont arrêté de faire des crissines de web dans mon choix. Ça a dit, stop, j'arrive, bang, j'ai collé ça dans la tête. J'entendais rien, man. Ben, j'entendais un peu. Un semblant, une voix quelque part. Oh, man. Je savais pas s'il y avait une foule, mais. Ouais. Le monde parlait-tu un peu dans la foule, mais. Ben, tu sais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Le bruit de la victoire. Ben. Oh, my guys. Love you. Merci d'avoir été là. Même si on a pris une défaite. C'est pas grave, je vais revenir plus fort. Je vais m'entraîner, je vais revenir plus fort. On va en avoir une victoire. Je pense pas que ça soit mon dernier combat. Au contraire, je pense remonter sur le ring faire une meilleure performance que ce soir. Je pense que je peux juste m'améliorer de ma performance. Oh, j'ai mal à la tête. Oh. Sortez-moi pas de ma zone, sortez-moi pas de ma zone.